Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de notre HUD. C'est ça. Notre HUD, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Ça ne vous aide pas si vous ne savez pas ce que c'est. Notre HUD, c'est par exemple notre barre de vie, notre compteur de score, l'arme qu'on est en train de posséder. C'est vraiment tout ce qui est l'interface utilisateur. On a déjà utilisé l'interface utilisateur avec les menus. Les menus, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple à faire, donc j'ai essayé un petit peu, si vous avez suivi la série, de vous initier aux menus et aux widgets. Maintenant, on va passer sur la partie un peu plus compliquée, vu qu'on va utiliser, on va mêler notre personnage avec les widgets. Ça va être assez intéressant, vous allez voir. De nouveau, j'ai créé des images que vous pouvez retrouver en description. Nous avons le compteur pour nos pièces et nous aurons notre vie pour le nombre de fois qu'on peut encore respawn avant le game over. On va dans le UI, clic droit, nouveau widget, widget qui va se nommer le UI HUD Player. HUD Player. De nouveau, je le nomme comme ça, vous le nommez comme vous le voulez. On double-clique et on loue. Comme d'hab, on a besoin d'un périmètre, donc canvas play et canvas panel. Une fois le canvas panel mis, ce que vous pouvez faire si vous voulez, c'est prendre un screen de votre jeu, donc par exemple comme ceci, quand vous êtes en jeu, le screen avec, alors du coup je disais le screen avec F9, faire un screen c'est également pour commencer à enregistrer et pour couper mon enregistrement, donc j'ai bien cut en plein milieu mais c'est pas grave, vous faites un screen. Et voilà, vous aurez quelque chose qui va apparaître ici, vous aurez qu'à cliquer et ça s'ouvrira directement dans votre onglet screenshot. Comme ça, vous pouvez prendre et importer votre screen et juste le drag and drop dans votre widget. Comme ça, vous aurez une sorte de vue un petit peu de ce que vous avez et ça va vous permettre de placer vos éléments. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et donc maintenant, on a besoin de deux images, la première et la deuxième. De nouveau, tout dépend de comment vous comptez les placer. Si vous voulez, on peut également faire une vertical box, à mon avis, c'est ça qu'on va faire, ou une horizontal box pour qu'ils soient bien alignés. Mais admettons que vous voulez que votre vie apparaisse là et vos pièces apparaissent là, pas vraiment besoin d'alignement spécifique. Nous, on va tout mettre en bas à gauche, donc on va prendre une vertical box, comme ça, on va mettre ensuite deux horizontal box. Vous allez comprendre après pourquoi, à l'intérieur. La vertical box va permettre de mettre les deux de manière verticale, et dans l'horizontale, on va pouvoir mettre d'un côté notre icône et de l'autre le texte qui va nous permettre d'afficher ce qu'on veut comme le nombre de pièces ou le nombre de vies. Une fois que c'est fait, il nous faut nos images. Donc les images vont être placées dans notre horizontal box, comme ceci. La vertical box, si on veut, on peut déjà essayer d'un peu l'agrandir, voilà, pour que ça puisse un peu respirer. Et on a également besoin de deux textes. Notre premier de nouveau dans la première horizontal box et la seconde dans la seconde horizontal box. Et ça va rendre quelque chose de comme ça. Par défaut, on peut mettre par exemple, la première va être par exemple la vie, donc on va dire 99. On peut mettre un petit fois si on veut. Et les pièces, ça va être des coins, donc on peut par exemple mettre 3, 1, 2, 3, si vous voulez que ce soit la valeur maximale. Ça va ressembler à quelque chose d'un peu similaire. On peut de nouveau, enfin on doit même ancrer notre widget vertical box. Ça servira à rien d'ancrer en dessous parce que la vertical box est celle qui possède en fait l'ensemble ces boîtes là. Donc ces boîtes là seront ancrées sur base de celui là. C'est nouveau, une sorte de entre guillemets relation parent-enfant. Donc on l'a ancré, on met les positions en 0, 0. Là vous mettez la valeur que vous voulez. Donc si on regarde un petit peu, on peut dire que 350 fait l'affaire et ici 150 fera l'affaire. Dans l'alignement, on peut un peu chipoter. On voit que du moins 0,5 et du 1,75 pourra donner quelque chose de plutôt sympathique. Dans les horizontal box, on peut les maintenir tous les deux et faire un fil pour que ça prenne toute la place décidée par la vertical box en mettant également un padding à 15, comme ça on laisse un petit peu d'espace. Maintenant on va pouvoir déplier et on va attribuer à nos images les fameuses textures. My content, la première ça va être la barre de vie, donc ici, brush, image, comme ceci. On va mettre en fil et on va essayer de rendre ça un peu plus joli plutôt. Alors ceci en fil, l'image, on peut pas la mettre, non on peut pas, monsieur on peut, on va la mettre tout à gauche. Ok, on va devoir quand même un petit peu modifier la taille pour que notre HUD fonctionne un minimum, que ce soit un minimum beau, pas étiré, comme ceci, donc vertical box, voilà, si je mets ça donc vers 300,
C'est vrai que je peux mettre ça aussi. On va mettre plutôt notre HUD à 150 et 150. Ça va rester sous forme de cube, un peu de carré. Comme ça, nos HUD, nos icônes ici ne seront pas étirées. Sauf que dans nos images, on va les mettre en fil, mais on va les mettre à gauche. Et nos textes, on va les mettre également en fil vers la droite, comme ceci. Admettons que je lance le jeu pour voir ce que ça donne. On va devoir aller dans notre blueprint, caractère, BP player caractère. On peut reprendre ceci, CTRL-C, et on va dans notre event begin play. Il est là, CTRL-V. On remplace par le player HUD, et de nouveau, on a un event, et notre event, on peut le relier à un seul endroit, un seul à la fois. On va pouvoir prendre un node et faire une séquence. La séquence va nous permettre de lire les inputs, et juste après, le HUD. Pourquoi est-ce que je le mets en event begin play? Comme ça, dès le lancement du jeu, on va lui demander d'exécuter qu'une seule fois, d'afficher notre player widget. Si je le lance, il va y avoir un problème, parce que notre background, notre screen, ici, va apparaître. Donc, on peut juste faire un set visibility, juste visibility, voilà, en le passant en hidden pour le cacher lors du lancement. Vous voyez maintenant que j'ai mes cœurs et mon argent. Là, ça fonctionne. Sauf que ce sont les valeurs par défaut qui ont été mises juste avant. On va maintenant pouvoir juste modifier, comme vous avez vu, que le texte ici est juste un petit peu trop en l'air, donc maintenir les deux et prendre ceci pour mettre l'alignement au centre, qui est la même distance au-dessus et en dessous, et donc que ce soit bien centré. Maintenant, visuellement, notre HUD est convaincant. Si vous voulez, vous pouvez de nouveau ajouter par exemple ici une teinte. J'ai fait exprès que ce soit blanc pour qu'on puisse ajouter la teinte qu'on veut, comme ceci. Et si vous voulez mettre alors ça en jaunâtre, en doré par exemple, voilà, c'est comme vous voulez. Maintenant, on veut que ce soit dynamique, que notre texte ici fonctionne bien. Et pour ce faire, on va devoir créer ce qu'on appelle un bind. Vous voyez ici le texte, on a bind ici. En créant un binding, on va lui dire qu'on veut récolter des valeurs pour les afficher dans notre bind. Et ça, la return value qui est là, vous voyez, c'est une return value de type texte qui est justement notre élément. On peut le mettre en tant que variable, ça c'est vrai. Nos textes sont des variables, vont varier. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ça va être de reprendre notre cast to BP player caractère. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il vient faire là? On veut demander à notre HUD d'afficher le nombre de vies que notre personnage possède. Ce qui veut dire qu'on va faire un get player caractère comme ceci. Voilà. Et on va lui demander de récupérer le nombre de vies qui lui reste. La variable, il n'en a pas. C'est vrai qu'il pouvait respawn à l'infini. Donc, c'est le respawn count. Le nombre de respawn, qui est une variable integer. On n'a pas besoin d'une variable float, car les integers ne sont que des nombres entiers. On ne peut pas avoir des 0,5 vies, par exemple. C'est soit 0, soit 1. On va lui dire qu'il peut respawn 3 fois. On compile, et en reprenant ici, en faisant un get respawn count, on récupère notre valeur du respawn, et on va l'afficher ici. Il y aura une conversion qui va s'effectuer, de l'integer en tant que texte, pas de souci. Si je lance, voilà, on a notre petit 3. Mais ce serait bien d'avoir le petit fois comme j'avais mis, le petit x comme j'avais mis ici. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est casser le node, et prendre un format texte. Le format texte, je l'aime bien, parce que on va pouvoir déterminer qu'on veut afficher dans une variable, et ce qu'on veut afficher au clavier. Je m'explique. On va devoir prendre, moi c'est Alt GR et le 9 et 0 pour avoir ces espèces de petites parenthèses là. Et là ça va être notre variable, variable respawn. Je la nomme comme ça parce qu'en faisant un Enter, elle va apparaître ici et je vais pouvoir la relier. Maintenant, ce qui va être en dehors de ces parenthèses va s'afficher concrètement sur notre HUD. Si je mets le fameux petit X, la petite croix, et que je lance, on a notre petite croix avec le 3. Maintenant on va faire pareil. On va faire pareil pourquoi? Pour notre argent, pour notre argent. Voilà, on compile. Si on veut, on peut déjà copier ça parce que ça va être le même départ. Pour notre money, on crée un binding. C'est vrai que pour vous, si vous voulez vous y repérer votre binding, vous pouvez faire donc le binding underscore respawn. Et ici, le binding underscore, à ne pas confondre avec les boutons. Donc on va juste nommer bind underscore coin. Et ici, bind underscore respawn. On colle ce qu'on avait déjà copié, comme ça on gagne un peu de temps. On appelle notre player caractère et on va lui demander de nous dire oui mais combien de coins tu possèdes. Ici j'avais juste mis le petit dollar. On peut laisser le petit dollar si on veut. Donc de nouveau format texte. Et on va créer un pin qui va relier, connecter notre variable. Ce qui veut dire double parenthèse. Donc moi j'ai dit algr 9 et 0, qui va être notre coin. Et juste après, on va afficher le petit dollar. Voilà, comme ceci. Si je compile, je sauvegarde et que je lance, on a notre HUD qui fonctionne bien, on a nos icônes. Je vois que j'ai 3 vies, que j'ai 0 de dollars.
Et voilà, ça s'actualise, tout fonctionne bien. J'ai les 24, j'ai toujours mes 3 vies, étant donné que j'ai pas prévu de décrémenter quand je meurs, on aura toujours 3 vies en respawnant. Cependant, on a 0 pièces parce qu'on est mort et qu'on a respawn. Ça, on verra dans la partie suivante qui sera la gestion du game over et du respawn total. Pour l'instant, on voulait juste s'occuper de l'HUD, bon, c'est parfait pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao tout le monde!